Salut à tous, c'est VidéoBest et aujourd'hui on se retrouve et on est sur SimCity. SimCity bien sûr sorti que sur PC. Donc c'est édité par Electronic Arts, c'est développé bien sûr par Maxis et l'équipe gestion et c'est sorti le 7 mars, donc presque des conseils de moins de 12 ans. Alors SimCity c'est un jeu de gestion comme je l'ai dit. Tout le monde connaît SimCity, en tout cas je l'espère. On va reprendre ma partie pour vous montrer un petit peu l'ensemble de SimCity, les nouveautés, ce genre de choses. Voilà, c'est une vidéo un peu découverte pour vous montrer cet univers. On est toujours allé sur le monde de SimCity, c'est-à-dire qu'on voit nos défis, faites des défis pour tout le monde. C'est-à-dire que si on atteint une population de 2 500 000 résidents dans la région, on gagne un trophée, on gagne différentes choses, de l'argent, ce genre de choses. Là, c'est les premiers 10% qui ont le meilleur temps à la fin de la partie, qui gagnent leur succès, explosion de population, ce genre de choses. On voit le classement par rapport au stade, ce genre de choses. Bon, pour l'instant, ça marche pas très bien. Ah non, c'est pour mes amis. On peut mettre pour le monde si on veut. Bon, comme SimCity a pas mal de problèmes, je vais vous expliquer pourquoi. SimCity est sorti le 7 mars. Moi j'avais déjà précommandé. Donc le 7 mars, je télécharge SimCity qui faisait qu'il y a 3 Go. Maintenant je peux y en faire entre 4 et 5 Go avec une mise à jour. Il y a eu tellement de monde pour ce jeu et très peu de serveurs. Que bah, les serveurs ont explosé, entre temps ils ont dû faire des mises à jour, rajouter des serveurs, ce genre de choses. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont quand même assez restreintes, on va dire. Par exemple la taille de la carte qui fait que 20 km² à peu près, donc c'est une carte très... enfin, la carte est très très courte. Donc voici ma ville. Bon, ma ville est encore en construction. Donc je vais vous montrer. Voilà, on choisit... espèce de monde, on va dire. Après on choisit sa carte, son emplacement où on veut le mettre. Pour l'instant moi j'ai choisi ici où on a plusieurs choses. Là c'est une ville un peu plus touristique où il n'y a pas de pétrole mais il y a plus d'eau et ce genre de choses parce qu'on est à côté de l'eau. On peut avoir à côté bah, des grands chantiers où on peut eh bien permettre de mettre des centres spatiaux, sa centrale solaire, ce genre de choses qu'on a à côté. On va essayer de revenir dans sa ville. Donc voilà, sa propre ville. Donc bien sûr les routes sont payantes. Il y a donc les routes, plusieurs routes, hein. On peut commencer sur des routes de terre jusqu'à les avenues de tram de densité élevée. Alors il faut, je conseille de commencer par des routes de densité élevée ou moyenne à peu près comme ça, même celle-ci, densité faible. Car quand vous allez, par exemple ici, on peut améliorer nos routes. Par exemple je vais prendre une route. Alors, le pont, vous voyez que la zone est quand même assez peuplée. Donc là après on peut monter en des faibles densités, pont de rue densité élevée. On va mettre ça, hop, qui permet d'améliorer le pont. Bon, ça n'a pas fait grand chose, changé grand chose. Mais par exemple, on va mettre cette route qui est une petite route. Pas celle-ci. Alors je sais pas si j'ai des rues ou des routes, parce que j'ai dû toutes les améliorer. Voilà, c'est-à-dire que ici c'est trop, on peut l'avoir gratuitement jusqu'en moyenne. Après, si on veut remonter, ben voilà, ça dépend de la route, dépend là où se situe le terrain. Plus le terrain est cher, plus voilà, hop, améliorer ici. Ici, on va améliorer pont en arche, voilà, on va améliorer le pont. Hop, on peut bien sûr tourner. On peut bien sûr zoomer. Donc voilà. Après, on peut... pardon. Donc ceci. Les outils de réseau de zone résidentielle. Oulala. Résidentielle. Les zones commerciales et les zones industrielles sont bien sûr gratuites. Vous mettez une route et après, vous permettez de mettre là où vous voulez. Par exemple, ici... on continue la route par exemple, on va prendre cette route ici, on va hop tourner, on va la continuer jusqu'à peu près à la même hauteur qu'ici. Est-ce qu'on peut faire ça? Si je fais ça, je détruis un bâtiment, donc on veut pas le faire. Et par exemple après, là il me dit rien. Ah si, il y a plus d'employés que d'emplois créer une zone industrielle ou commerciale pour acheter des lieux de travail.
Donc là, on va continuer la route, tout ce qu'il y avait en mode commercial. Pas pour vous connaître cette route ici. Et ici, hop, on va mettre la zone industrielle. Voilà. Après, bien sûr, on peut tout ce qui est au niveau de l'énergie solaire. Donc là, pour l'instant, j'ai une énergie, une centrale solaire qu'on peut bien sûr améliorer, puisqu'au fil du temps, vous voyez que là, je suis juste dans le jaune. Donc après, on peut rajouter des parcelles, ajouter des réacteurs, des centrales nucléaires, ce genre de choses. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est. Voilà, combien ça coûte? 16 000. Donc là, j'ai pas assez pour l'instant. Vous voyez combien pompe d'électricité? Il faut bien sûr que ce soit dans le vert. Moins dans le vert, moins il y aura d'électricité. C'est très embêtant. Après, tout ce qui est au niveau de l'eau, tout ce qui est au niveau des centrales, des eaux usées, par exemple. Vous voyez que le tuyau d'écoulement des eaux usées est presque saturé. Donc là, je suis dans le vert, donc on va laisser comme ça. Après, tout ce qui est au niveau de ma maison. Donc là, ça c'est ma première maison, mais elle est atteinte. Maintenant, j'ai une plus grande maison. Donc, voilà, après, ça améliore, on peut rajouter des choses dedans. On a bien sûr l'hôtel de ville que je vais vous montrer ici. L'hôtel de ville n'est pas comme ça du tout. À la base, hein, au début, voilà, c'est un tout petit hôtel de ville. Après, on peut améliorer. Là, après, bien sûr, on peut, quand on améliore la mairie, on peut rajouter des ministères. Là, j'ai rajouté le ministère de l'école, en fait, tout ce qui était lycée, université. Là, j'ai au niveau politique. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits trucs. Les maisons commencent. Alors, je vais vous montrer une petite maison. Voilà. Hop. Les maisons commencent. Comme. Je vais vous montrer une petite maison. Ah, bien sûr, j'ai pu en avoir. En fait, les maisons commencent toutes petites. Bah voilà, par exemple celle-ci. Voilà. Ces maisons, ceci sont gratuites. Donc voilà, on commence comme ça avec une espèce de caravane, ce genre de choses. Au fil du temps, elle augmente. Par exemple, là, ils disent qu'il n'y a pas assez de place. Ben, on va la détruire. Parce que si en fait elle a pas assez de place pour grandir. En plus juste à côté il y a l'hôpital, la clinique. Comme ça je pourrais rajouter un bâtiment. Quand je disais que la carte est trop petite, c'est parce que par exemple là si je veux rajouter quelque chose au niveau de l'hôpital, il va falloir que soit je détruise quelque chose si je veux le rajouter. Enfin, ça va falloir que je détruise un bâtiment. Donc voilà, c'est quand même des choses bah, de dommage. Hein, de détruire quelque chose. Là, tout ce qui est au niveau de l'eau. Là, en fait, c'était des maisons qui ont augmenté en appartements, ce genre de choses. Par exemple, voilà, au fil du temps, ça va continuer comme ça. Vous voyez la valeur du terrain et la densité. Voilà, c'est pas mal du tout. Après, au niveau des entreprises, les entreprises commencent. Je veux dire, les commerces commencent comme ceci, hein, des tout petits commerces. Les entreprises sont comme ceci, toutes petites. Et puis finissent dans des hôtels et puis dans des bâtiments qui commencent à être construits beaucoup plus haut, qui vont permettre eh bien d'avoir plus de technologie, ce genre de choses. Vous voyez qui commence à vraiment être un peu plus joli. Vous voyez qu'au bout du temps, bah, c'est la construction. Là en bas à gauche, alors, vous voyez mon nom, ce genre de choses, les signes de chantier, la carte de la région, ma carte de la ville, les spécialités de la ville. Spécialité de la ville, c'est par exemple tout ce qui va être extraction de sous-sol, tout ce qui va être casino, ce genre de choses. Là par exemple, établissement de jeu, réduire l'attente. Par exemple, j'ai un établissement de jeu, voilà. On voit par contre qu'on perd pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être l'améliorer si on peut. Une option d'hébergement, ça pourrait être pas mal ça. On va mettre d'autres machines à sous. On va mettre un bar. On va mettre un théâtre. Parce qu'en fait, lui, là, c'est des personnes sur la carte où il y a un petit point. On clique dessus, ils vont demander, bah voilà, nous on voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça. Et là, ils disent d'améliorer l'attrait touristique de la ville. Bah, c'est ce qu'on fait, mon petit. C'est ce qu'on fait.
Hop, on va mettre ça là. Et là, on peut plus parce que la limite est atteinte pour l'instant. Hop, on quitte. Là, vous voyez que ça commence comme ça, on voit le terrain et puis au fil du temps, ça augmente. Donc là, quand on termine les trucs, soit on est un peu plus popularisé, soit on gagne après de l'argent. Ici, vous voyez qu'on peut améliorer, on peut rester sur une vitesse de la tortue, une vitesse du lama, une vitesse qui part. Bien sûr, ça augmente la vitesse, ben, l'avancement du jeu. Là, stock, là, en ce moment, il me demande aussi de rajouter des trucs parce qu'il y a plus d'employés que d'entreprises. Donc voilà, ça commence à se construire au fil du temps. Dès que j'aurai un peu plus d'argent de 16 000, je rajouterai une autre parcelle pour la centrale électrique. Parce que bon, au bout d'un moment, plus il y a de gens, plus il y a d'entreprises, plus il y a de choses qui consomment. Mais il faut rajouter parce que c'est une centrale solaire. Et donc ça s'utilise qu'avec quand il y a du soleil. Bon, il faut faire très attention au niveau de son argent. Par exemple, là, hop, ça c'est ma maison. Qu'est-ce qu'il me demande? Notre ville est en crise, faites quelque chose. Alors, on peut dire non merci, on peut dire plus tard, on dit d'accord, on va dire d'accord. Donc, ils disent de créer plus d'emplois et de fournir plus de logements. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire par exemple, ici sur cette zone, qu'est-ce qu'il me demande? Il va me demander de construire un lycée, sûrement. Voilà, parce que en ce moment j'ai donc pour construire différentes choses. Et là, par exemple, il fallait un hôtel de ville dans la région, c'est fait, un hôtel de ville amélioré, c'est fait, un ministère de l'éducation, c'est fait. Il fallait 500 élèves ou étudiants dans une ville de la région, et bien c'est fait. Là j'ai pas assez d'argent, vous allez voir qu'en cliquant ici, on peut voir combien au niveau des impôts, on peut compter les impôts ou les descendre, combien on perd, combien on gagne, et on a des obligations. C'est-à-dire qu'on peut demander 5. En début c'est que 25 000, après qu'on monte niveau capacité de personne, on peut faire des crédits de 25 000, de 50 000 ou de 100 000 sous. Pour l'instant j'ai fait tous les crédits donc je peux pas le faire. Vous voyez que je perds 14 000 de l'heure et j'en gagne 18 000. Je vais pas augmenter les impôts, je vais laisser tel quel. J'ai juste pour l'instant créé un partant. Hop là. Partant. On peut pas, peut-être qu'on va faire des routes comme ceci. Toc, toc. Pourquoi je peux pas là? Possible de tracer une route sur des bâtiments placés. D'accord. Bon bah c'est pas bien grave. Ici on va mettre des. Hop là. Des petites maisons. Ici aussi. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas en mettre. Là par contre ça. Voilà. Je vais démolir parce que ça me sert strictement. Rien. Là on peut supprimer des zones. Là ça sert à rien que j'en mette parce que je peux pas en mettre tout simplement. Vous voyez, vous allez voir voyez comment travaillent les personnes. Vous voyez comment on monte petite entreprise, enfin, des bâtiments en tout cas. Vous voyez des petites personnes et hop comment se termine un truc. Là vous allez voir déjà ils font le tracé sur l'herbe et puis après vous allez voir comment sont faits et eh bien les maisons. Donc là vous voyez que j'ai terminé, j'ai fait plus de logements, donc ils sont contents, j'ai gagné 30 000 je crois à peu près. Donc dès qu'on va arriver, par contre ce qu'il faut que je fasse c'est qu'au niveau, donc ça pour l'instant c'est pas approuvé parce qu'il faut université dans la région, ce que je vais faire très bientôt. Il faut une université avec une école de sciences dans la région, parce que pourquoi? Bah parce qu'il faut des personnes qui soient assez capables d'entretenir bien tout ceci. Donc on va rajouter un autre panneau. Donc par exemple là je peux pas le rajouter, c'est dommage, et là je peux en rajouter que deux et après c'est fini. Je vais être obligé d'en rajouter deux tout de suite et après bien sûr je peux en rajouter à côté. C'est pour ça. Donc là pour l'instant je veux plus. Oui, donc chemin vert, donc pour l'instant ça va. Ici en fait je garde ma zone, j'ai
C'est ma deuxième partie, la première était vraiment pourrie. Celle-ci un petit peu mieux, mais quand j'en ferai une autre, je m'organiserai beaucoup mieux. Parce que par exemple, là, c'est l'école primaire. Tous ces bâtiments-là, on peut les améliorer. Mais par exemple, pour améliorer l'hôtel de ville, j'ai un petit problème parce que les bâtiments sont quand même assez gros. Et que si je le mets là, j'ai détruit la... l'école primaire. C'est assez dommage. Parce que si j'ai trouvé une école première, il n'y en a plus. Et le problème, c'est que je suis obligé de reconstruire rien ailleurs parce que je perds tout l'argent. Là, vous voyez que des fois, c'est affiché en couleur jaune, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Observation personnage. La nuit, les crimes sont plus hardis et vos forces de police actuelles ne seront pas à la hauteur de la tâche. On voit bien sûr les déplacements de police quand on clique sur ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une proposition de chantier d'aéroport, notre économie aurait bien besoin de ce coup de pouce, surtout en matière de tourisme. L'aéroport nous permettra de recevoir des marchandises et des passagers, ce qui donnerait un coup de fouet à notre commerce et notre industrie. Je vous recommande d'en construire un dès que possible. On va dire d'accord. On va voir, ils disent de placer un aéroport municipal, j'attends ensemble que 20 touristes arrivent de par les airs. Pour construire ce genre de choses. Là, qu'est-ce qu'il me dit encore? Je veux pas construire un établissement de jeu, toi tu m'énerves. Pourquoi je fais autant? Je me perds quand même 2000 dollars, recette que 1000, richesse touriste faible, moyenne, d'accord. En fait, j'ai pas assez de personnes, pas assez de touristes et pas assez de pensionnaires pour l'instant. Ça reste toujours à 1000 dollars à peu près. Il faudrait que j'améliore tout ça, mais là je ne peux plus pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il me demande d'ajouter eh bien un aéroport. L'aéroport bonbon. Juste aller voir au niveau de combien ça coûte ça. Est-ce que je pourrais très bien rajouter un poste de police. Rajouter un petit poste de police. Le poste de police, on va le rajouter eh bien. On va le rajouter là. Voilà. On rajoute un poste de police et des dépenses totales d'au moins 15 000 dollars par heure. Okay. Donc là, il est fermé bien sûr pour processus d'embauche. C'est pour ça qu'il faut eh bien des personnes à chaque fois. Là, on va poser notre petit truc. Là, on va mettre. Là, j'ai passé une semaine floue. C'est combien? 10 000. Bon. Pour l'instant, on va faire avec. Hein. Faire avec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il y a eu pas mal de problèmes au niveau des serveurs, donc ça ne fonctionnait pas, ou on pouvait pas rentrer directement dedans, donc voilà, il y a eu pas mal de petits trucs. Aussi, tout ce qui est au niveau de la pollution, c'est très bien fait, ce genre de choses. Alors, des petits trucs, les alarmes se déclenchent pour signaler un cambriolage. Les criminels s'en sortiront donc que par exemple, il a volé. Faut-il blâmer le maire? Braquage en cours, parce qu'il n'y a pas assez de police, maintenant que j'ai rajouté un centre de police, même s'il n'est pas bien élevé encore, ça aide toujours. C'est très très joli hein, quand même. Bon, les cartes sont assez petites, vous voyez que là c'est les délimitations à chaque fois de la carte. On peut bien sûr avoir d'autres villes, mais on aime bien avoir qu'une ville et bien s'en occuper. Vous voyez que par exemple là je peux construire une route, des endroits où je peux pas en construire parce que voilà, c'est trop petit, ou alors il faudrait que, par exemple, si je vais en construire une ici, il faut que j'en construise de là à ici à peu près pour faire un pont parce qu'il faut aller d'une route à une route. C'est quand même assez dommage. Et comme il finit, bah, la centrale solaire est alimentée par l'accumulateur. Quand il est alimenté, on voit qu'on est tout juste, on est dans le monde, presque dans le monde, comme dans le jaune. Donc ça c'est dommage. On a toujours ce qui est niveau catastrophe. Donc là bien sûr il faut gagner les succès pour les dévorer. Mais on peut en avoir, par exemple, en première partie, j'ai une attaque de zombies, c'est nouveau, c'est marrant. On peut avoir des tornades, des météorites, des extraterrestres, enfin, différentes choses. On peut voir le niveau des feux, on peut voir aussi que il y a des petites bulles sur différentes maisons, sur les choses, qui nous signalent eh bien si les personnes sont heureuses, s'il y a des problèmes, sur d'autres choses. Vous voyez que là, bah, c'est en train de brûler. Si ça brûle définitivement que les pompiers n'arrivent pas à temps, bah, le bâtiment sera en feu complètement détruit, donc il faudra le raser. Avec démolir. Alors, on voit combien il y a de bâtiments abandonnés et en ruine. En pensant que les pompiers arrivent à l'heure. On va voir
comment est le chantier? Alors, attendez, là il y a une nouvelle tour. Ça c'est le dépôt de navettes parce qu'on peut avoir des bus, des trams, des avions, ce genre de choses, vous avez pu le voir. Là, trouvez-nous des trams, cela facilitera les déplacements, les touristes adoreront. Oui, parce que j'ai mis des bus. Mais les bus vont être pleins avec les parkings. Les parkings, c'est par exemple ce genre de choses. Là, c'est au niveau des bus, dépôt de navettes. Et là, il y a le parking. Bon, bien sûr, il vient juste de faire jour, donc c'est normal. Fermé pour processus d'embauche. D'accord. Bon, ma maison est fermée pour processus d'embauche. On va voir tout ce qui est au niveau. Alors attention, qu'est-ce qu'il me dit au niveau de l'eau? Certains bâtiments ne sont pas alimentés en eau. Quels bâtiments ne sont pas alimentés en eau? Serait-il possible d'avoir de l'eau? D'accord, d'accord. Là, par exemple, voilà 44 000, mais il faut un ministère des services publics pour pouvoir avoir une station de pompage plus grande et permettre différentes choses. Par exemple, au niveau du vent, ce genre de choses, au niveau de l'eau, on a une roue d'extraction du sol. Voilà, on a des zones où eh bien il y a plus d'eau, ce genre de choses. Donc si je mets là, bah, voilà que je vais rien tirer de l'eau. Là, si je mets là, bah, voilà, je vais gagner 1470 kW de litres. Après, il y a pas mal de trucs, je vais pas le mettre ici. On va le mettre ici, tiens, parce que là, on gagne 1500. On va en mettre deux, parce qu'on a pas la possibilité, non. Non, si j'en mets un là, on va voir tout ce qu'au niveau des pompiers, les pompiers sont où? Les pompiers sont ici. Alors. Combien ça coûte? Ça coûte 15 000. Et voilà. Voilà le problème. Pour ajouter un truc, je suis obligé de détruire ceci. Mais le problème, c'est que ceci est une décharge. Et qui est bien sûr que la capacité. Réinsérer 50 criminels en une journée. Wow. On gagne des trophées au fur et à mesure et je voulais savoir combien ça coûte. Ça coûte 85 000. Mais on va attendre, désolé les pompiers, on ferait avec. Mais pouvoir avoir une plus grande capacité de pompiers, ce genre de choses. On a aussi le docteur Vu qui est un criminel. Donc on peut avoir une station, enfin on sera une tour, ce genre de choses. Par exemple là, pas de grévé, pas de regret, je ne le regretterai pas. Pour avoir ça, il fallait que j'ai 2500 résidents. Après, il faut que je passe le manoir. Tiens, on va lui passer son manoir à lui. Qui va pouvoir arrêter. Ensuite, on va l'envoyer en patrouille. Pouvoir arrêter une docteur vu un criminel. Donc voilà, c'est amusant. Il fait chaud ici ou c'est juste moi. Donc vous voyez que là, il signale que la maison va commencer à brûler. Voilà. Oh non, ça brûle. Des choses assez amusantes. On va mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas encore assez d'eau, eux. Alors, est-ce que je vais pouvoir monter ça? Hop, on va mettre une autre station ici. Et moi, ce que je voulais faire... Vous voyez, tour vu. On peut augmenter le niveau de technologie des bâtiments industriels environnants, voilà, pas mal de choses. Et c'est ça que je devais mettre en place. On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. Hop. Et ici, comme ça, ça va nous permettre... Voilà, j'envoie en activité maximale patrouille. Et comme ça, il va pouvoir faire des petites choses sur le cheveu. Vous voyez que là, je l'ai terminé, j'ai gagné 5000 de simples. Pas négligeable, bon, c'est même si c'est pas grand-chose, mais comme ça, ça me permet d'avoir... Autre chose, qu'est-ce qu'il va me dire lui? Il y a des petites bulles comme ça. Ne regrettez rien, Maxima, mais là, c'est moi, c'est lui qui est content de vous montrer. Mon Maxicanner ne relève des appels de détresse de pauvres citoyens qui ont visiblement été blessés par l'infâme docteur Vu. Ne vous inquiétez pas, j'ai avec moi le merveilleux kit de soins Maxi Santé fabriqué par la science. Je peux sauver ces pauvres blessés en échange d'une somme modique. Faites en sorte que Maximan soit 3-6. Vous voyez, c'est un super héros en fait, voilà, on retrouve tout ce qui est dans tout l'univers. Pas mal de choses, on peut aussi appuyer sur une voiture, puis voir là où il est, s'il est content, ce genre de choses. Sur un bâtiment, pareil, s'ils sont contents. Si nous voulons divertir nos empires de casino, il nous faut un siège. Il nous faut un siège, mais bien sûr, je ne peux plus. De toute façon, je ne peux plus. Ça c'est quoi? C'est au niveau du commerce, on va voir gérer les exportations. Importer pour 10 personnes. Ça
Ok, et ça, on va choisir ça. Ok. Ça, c'est parti, donc on voit tout ce qui est au niveau du commerce, ce genre de choses. Là, vous voyez que il me reste plus que 10 000 à peu près, hein, 10 000 résidents, et je vais pouvoir améliorer l'hôtel de ville, et comme ça va me permettre, eh bien, de rajouter un ministère et après construire différentes choses. Ce que je voulais faire, c'était. Alors, attendez. Le lycée, c'est 60 000. Les avions, je voulais savoir comment c'était. Il faut le ministère du transport, d'accord. Les bateaux, je ne peux pas encore. Les trains, je ne peux pas. Les trams, je peux. Mais pour l'instant, il faudra aussi des routes au niveau des trams. Moi, ce que je voulais que je fasse. Oui, ici, tout en haut, au niveau des traités, des eaux usées. Par contre, il va falloir que j'en rajoute un, absolument. Rajouter un ici. Vous voyez qu'ici ils sont pas du tout contents. Mais ils feront avec, que j'ai envie de dire. Au niveau des pompiers, c'est 85 000. On va attendre encore un petit peu. Ici c'est 120 000 pour un hôpital. Wow. 85 000 pour ça. Alors ce que je voulais faire, je trouve pas du tout. Alors où est-ce que c'est? Voilà, ça c'est ce que je voulais mettre, mais c'est pas possible pour l'instant. Planter forêt. Alors, on va planter une forêt où? On va planter une petite forêt ici. Comme ça, ça va mettre ça beaucoup plus joli. Là au niveau des zones où je peux je sais qu'il y aura rien, où je peux rien mettre, bah pourquoi pas mettre des arbres, hein. Ce sera beaucoup plus joli. Bon, apparemment je peux pas en mettre d'autres. Hop, ici on va en mettre un petit peu. Là par exemple il n'y a rien, mais bon, on va mettre des arbres comme ça, ça fait, ça attrait un peu plus la ville en fait, ça rend un peu plus joli. Construction d'une nouvelle usine en cours dans la ville. D'accord. Ah bon, on va peut-être arrêter. Qu'est-ce qu'il me demande? Au niveau des incendies, oui, je sais. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Au niveau du commissariat, nous n'arrivons pas à faire face au crime dans cette ville. Vous pourriez peut-être ajouter un parking de voiture. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va rajouter des places de parking. On va rajouter ça. Ça ici. Même si c'est peut-être un peu cher, en tout cas, le commissariat est prêt. Au lieu d'avoir 10 cellules, maintenant j'en ai 40. Et j'ai pas mal de voitures de police. Ce qui me permet de combattre le crime. Là par exemple, hop, je vais sur des menus, il y a un bâtiment en ruine et ce bâtiment abandonné. Alors les bâtiments abandonnés, ils sont signalés comme ceci. Alors, hop, on voit les bâtiments qu'il faut bien sûr raser tout d'abord pour pouvoir ensuite. Il m'en reste encore deux. Ici. Et où ça? Là. Voilà. Il va falloir que tout de suite, bientôt, je puisse, ça, on va faire accepter. Et l'obligation, on va dire, par exemple, vous voyez, pour 100 000, il faut 294 de l'heure. On va faire accepter, ce qui va me permettre tout de suite de construire une grande caserne de pompiers, qu'on va mettre ici. On va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir ajouter un mât, ça va être pas mal. Là, on signale qu'il y a ça. On va mettre une centrale des pompiers. Là, je ne peux plus rien faire parce que j'ai déjà dépensé beaucoup. Mais qui me permet en tout cas de combattre le feu. Parce que si j'ai trop de bâtiments en ruine, à chaque fois, il faut que je les supprime. Et à chaque fois, il faut que j'en recrée. Il faut faire très attention.
y a aussi une partie assez communautaire, c'est-à-dire que si on ajoute une personne, réparer vos méfaits, réduisez la pollution. Alors ça, je sais pas encore comment on fait pour réduire la pollution de l'air. Je sais pas encore comment on fait, mais bon. On peut voir que là, que je gagne que 90 de l'heure. Il va falloir que j'augmente les impôts. Hop, on peut augmenter les impôts. Et on voit tout de suite que là, j'en perds 20 000, mais j'en gagne 22 000 de l'heure. Ça ne fait que gagner 2531 de plus. Mon profit de transaction mensuelle 160 000, transaction mensuelle 94 000. Ma trésorerie, j'en ai que 7 000 pour l'instant. Certes, mais bon, j'ai dû faire beaucoup d'achats. Par exemple, la caserne de pompiers, où j'ai qu'un camion de pompiers, mais après, je vais pouvoir rajouter, parce que une grande caserne de pompiers va pouvoir recevoir eh bien, beaucoup plus de camions, ce genre de choses. Aussi, le jeu il ne fonctionne qu'en multijoueur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connexion internet, eh bien, vous ne pourrez même pas lancer le jeu pour jouer en solo. Il y a une... Il y a une très forte possibilité, en fait, de jouer avec des amis. C'est-à-dire que, bah voilà, on crée soit une partie publique, soit une partie privée, et après, on invite les personnes. Ses amis, et puis après comme ça on permet de par exemple bah moi ma ville je m'occupe de tout ce qui est bus, c'est à dire que bah moi je vais m'occuper des bus de ma ville, mais aussi mes bus vont aller dans le ville de mon pote, je vais leur fournir aussi de l'eau, je vais leur fournir aussi les camions poubelles, ce genre de choses, et c'est très très bien fait parce que comme ça comme ça, ça permet eh bien, de réduire les coûts de production, les coûts en argent, et comme ça on gagne un peu plus. Hop, j'ai réduit l'air de la pollution parce qu'il y avait trop de bâtiments en ruine, dégueulasse. Ça permet d'augmenter un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ils disent que j'ai pas assez. Enfin, si on peut augmenter un peu quelque chose au niveau de la caserne. On va rajouter un camion de pompiers. Ce sera toujours... plus correct. Alors faire très gaffe où on pose et eh bien nos petits choses où, qui coûtent de l'argent déjà d'un premier coup, parce qu'il faut quand même laisser de la zone tout autour, parce que faut penser que qui en est obligé d'agrandir. Donc j'espère qu'ils agrandiront quand même la taille de la map. Non. Enfin, je permets de gagner de l'argent, c'est pas mal du tout. Là au niveau de ça, stockage 10 tonnes, on va gérer les importations, un lieu 10 tonnes, d'accord. On va utiliser ça localement pour l'instant. Ce sera pas mal. J'ai dépensé tout mon argent, mais je me suis éclaté. Tant mieux, tu nous donnes du fric, c'est tout ce qu'on demande. Vous voyez aussi au niveau de la population, les taux, il y a pas mal de choses à faire. Là, s'ils sont contents, là pourquoi ils sont pas contents? Abat, les impôts élevés, nous aimons les nains, Burks dégoûtant tous ces germes, les eaux usées commencent à sentir, d'accord, parce qu'il n'y a plus de trucs. On va voir si on peut baisser les impôts, tout doucement, et là je perds bien sûr, si je baisse ça et que j'augmente ça. Voilà, c'est correct. Donc après le bâtiment peut augmenter, là par exemple là, ce bâtiment faut... Ah, ça y est, j'ai réussi à soigner personne. Les rues ne sont pas sûres, embaucher plus de policiers. D'accord, on va embaucher beaucoup plus de policiers. Là je pop up plus, et sur cette zone, où est le centre de police, je sais plus. Voilà, ajoute un parking de voiture, de police. Et voilà, ce qui permet eh bien de gagner un peu plus de thunes. Ouais, bien sûr, faut que je détruise tous les bâtiments qui étaient en ruine. Donc là, je suis pas obligé, hein, si je veux changer, ok, mais sinon ils vont reconstruire tout seul, puis après réaugmenter par la suite. Voilà pourquoi il faut beaucoup de pompiers, ce genre de choses. Pour ceux qui avaient précommandé le jeu, enfin les premiers acheteurs du jeu, on va terminer par là-dessus. Eh bien, le 18 mars, EA vous enverra un mail sur votre adresse d'origine en vous disant eh bien, que
vous allez recevoir un jeu gratuit de votre choix du catalogue EA pour leur faire pardonner. Ne regrettez rien, Maxima est toujours là. Je suis sûr que le docteur Vu a encore quelques tours dans son sac. Si j'avais davantage de renommée, je pourrais terminer le plan de ma machine turbo. Grâce à la machine turbo, je pourrais me rendre plus rapidement sur les lieux du crime et capturer le docteur Vu. Bonne fois pour tout, et aussi, tu aurais l'air bien plus sinistre. Voilà, donc là, il va demander de faire quoi ? De gagner 500 points de renommée, ajouter le garage. D'accord, faites en sorte que ma chimène arrête 3 chimènes de plus. Alors, on va voir si on peut augmenter. Pour l'instant, c'est pas encore approuvé, puisqu'il faut cumuler 500 points de renommée. D'accord. Bon, pas mal du tout. C'est ce genre de petites choses. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez fait le tour assez rapidement de SimCity. Pensez aux GME aux commentaires si vous avez des questions sur ce magnifique jeu. Et ben, dites-le moi. Et puis, voilà, je vous dis bye bye, ciao.